SMS. Équipe presse d'Audi, le nouvel Audi Q8 vous attend juste devant chez vous. Voilà, tiens donc. Oh la vache! C'est le nouveau SUV coupé de chez Audi, le concurrent du BMW X6. Ben, c'est parfait pour emmener ma bonne vieille caravane sur les routes de Haute-Savoie. Trop empressé de prendre le volant du SUV allemand, Julien en a oublié d'attacher sa caravane. C'est ballot. Mais plus sérieusement, si l'on reproche à Audi de proposer des modèles au style parfois trop consensuel, les dernières nouveautés comme l'A7 Sportback ont rebattu les cartes. L'Audi Q8 ne laissera personne indifférent. Sa calandre octogonale est agressive, ses muscles saillants, et preuve qu'il appartient à la famille des coupés, il se distingue par ses vitres sans encadrement. De l'arrière, ce Q8 se distingue par cette bande lumineuse qui ceinture toute la malle, mais également par ses très jolis feux avec ses 12 LED verticales. Enfin, dernier détail et non des moindres, ce bas de caisse bien protégé pour les escapades en tout chemin. Si le style extérieur impressionne, l'habitacle vaut le détour, avec un niveau de sophistication rarement atteint dans la catégorie. À bord de ce SUV coupé, on retrouve un mélange d'Audi Q7 avec ses aérateurs qui ceinturent toute la planche de bord, mais également le côté technologique d'une Audi A8, la limousine, avec ses 3 écrans notamment. On retrouve bien évidemment le Virtual Cockpit qui permet d'avoir les fonctions de GPS notamment en plein écran. L'écran central reprend les fonctions de multimédia notamment, avec plusieurs options possibles, et les paramétrages du véhicule. Enfin, l'écran inférieur 100% numérique permet de paramétrer les sièges ventilés ou chauffants, mais également les fonctions de climatisation. Il faut alors espérer que l'électronique ne tombe pas en panne sous peine de ne plus pouvoir utiliser aucune fonction. Dernier plus qui est de série sur cette Audi Q8, la présence du Drive Select, avec la possibilité de sélectionner son mode d'amortissement, mais également une hauteur de caisse variable. On le voit, on peut choisir le mode off-road et gagner une garde au sol supplémentaire pour les passages en tout chemin. Reposant sur le même empattement que le Q7, l'Audi Q8 fait mieux que ses concurrents au chapitre habitabilité, notamment à l'arrière pour les 3 passagers. Avec 605 litres, le coffre est en revanche moins généreux, mais son accès reste très pratique. Pour cet essai, nous disposons du V6 TDI de 286 chevaux équipé de la technologie MHEV avec un alternodémarreur de 48 volts. Et c'est totalement imperceptible pour le conducteur, l'agrément du V6 TDI est toujours bien réel. En matière de consommation, on gagne jusqu'à 0,7 litres tous les 100 km. Malgré une masse élevée, les performances sont en rendez-vous, avec un 0 à 100 km/h réalisé en seulement 6 secondes 3. Malgré son gabarit, le Q8 se conduit bien et fait preuve d'une belle agilité avec l'option direction dynamique. Si l'option 22 pouces est très esthétique, elle nuit un petit peu au confort sur les routes dégradées, même avec l'option suspension pilotée. En tout chemin, l'Audi Q8 est loin d'être ridicule. Sa garde au sol élevée et sa transmission quattro lui autorisent ainsi de belles prouesses. Alors, je suis un petit peu confus, j'ai mal regardé la liste des options et notre Q8 était bien équipé pour 126 000 euros de la boule d'attelage électrique. C'est ma caravane qui va être contente.